Monsieur Febi Idika est un officier de police. Il est venu à la synagogue Église de toutes les nations avec un problème de serre à la jambe dû à un coup de fusil. Il utilise aussi une canne pour se supporter. La condition de sa jambe est très sévère, ce qui a rongé la peau au-dessus de sa jambe. Voyant que c'est un cas extrême qui a défié toute solution médicale, le problème est au-delà de la puissance de la nature. C'est pour cela que M. Idika est venu pour soumettre sa vie à quelqu'un de plus sage, plus intelligent et plus puissant que lui-même, Jésus-Christ qui ressuscite les morts. Nous voyons des plaies ouvertes qui sont formé à la partie intérieure de sa jambe, qui révèle les muscles. Et M. Idika croit en Jésus-Christ pour le secourir de cette condition horrible. Je m'appelle Fabien Isaac Idika, je suis un officier de police. Quel est le problème qui vous a emmené à la synagogue aujourd'hui? J'ai une essai à la jambe dû à un coup de fusil. J'étais dans différents lieux, mais tous mes efforts sans solution. Comment est-ce que ce problème vous a affecté en tant que policier? Sans ma femme, je suis nulle part dans la vie. Nous voyons cette canne, vous l'utilisez pour quoi? Je l'utilise pour me supporter, pour supporter mes mouvements. Sans cela, je ne peux pas bouger. Ça, c'est la première radio qui a été prise le jour où j'ai été attaqué. Et voici là où la jambe a été brisée. Et voici là. Vous voyez la balle elle-même. La deuxième radio et le clou qu'ils ont utilisé pour pouvoir soutenir la jambe et l'os. Croyez-vous que Dieu peut faire pour vous? Je crois que Dieu peut me guérir. Temps de guérison. Le prophète T.B. Joshua, dominé par la parole de Christ, administre la prière dans le nom de Jésus-Christ à M. Fabien Idika. Et ce qui se tenait contre sa bonne santé est élevé, le voyant tomber au sol et libre pour la gloire de Dieu. Merci Jésus, merci Jésus de m'avoir libéré. Quelques semaines plus tard, M. Fabien Idika est revenu à la synagogue Église de toutes les nations pour témoigner de sa guérison complète. À gauche, nous voyons la sévérité de l'ulcère de sa jambe et comment la peau se détériorait jour après jour en dépit des assistances médicales. Mais à droite, nous voyons comment son cas a été renversé. La peau est maintenant en train de sécher. Les plaies sont couvertes et il marche maintenant sans support. Voici ce que Jésus-Christ a fait qui donne la vie en abondance. C'est un témoignage incroyable qui témoigne qu'il n'y a rien d'impossible avec Dieu. C'est le Dieu qui rend les choses impossibles possibles. M. Fabien Idika a démontré ce qu'il ne pouvait pas faire avant la prière, tel que de mettre ses sandales. Maintenant, il porte ses sandales et sans utiliser une canne pour se supporter, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. De témoignages. Emmanuel, je m'appelle Monsieur Fabien Isaac Idika. ASP retired. Je suis un policier retraité. Le problème qui m'a emmené à la synagogue de l'Église de toutes nations était ulcère à la jambe à cause d'un coup de fusil. Le 24 du mois d'août 1982, nous étions dans la voiture de patrouille. Nous avons rencontré éventuellement des voleurs armés qui nous ont vaincus, qui ont tué 6 officiers de police. Et moi, je suis tombé dans la gouttière. Lorsque les autres renforts sont arrivés, j'ai levé ma main pour montrer que j'étais à l'intérieur du canal. Et de là, ils m'ont emmené à la section des urgences. Et c'est là que j'ai... Je suis mort. Et quand j'ai passé de l'autre côté, c'est là que j'ai eu un rêve. J'ai demandé où est ma mère. Et l'homme a dit non, Isaac, retourne. Et c'est là que j'ai eu ma mère au bout de la rue. Et ma mère a dit non, retourne, retourne.
C'est ma mère avait 10 d'entre nous, mais seulement 2 d'entre nous demeurent. Et quand je me suis réveillée, j'ai vu beaucoup de personnes autour de mon lit pleurant. J'ai demandé, mais pourquoi vous pleurez? Et ils m'ont dit que j'étais mort. Donc, dû à ce problème d'ulcère à la jambe, qu'est-ce que vous avez expérimenté à cause de ce problème? Regardez mon corps. Quand je me baignais, je pleurais. Ma femme me dit tout le temps de ne pas pleurer. Que ce soit de l'eau chaude, de l'eau froide, tout le temps en train de pleurer. Nous voyons une radio à côté de vous. Pouvez nous expliquer la radio? La radio montre la balle à l'intérieur du l'os de la jambe. Et la deuxième radio, c'est le clou qui a été inséré dans mon os. Vous voulez dire que c'est la balle que nous voyons à l'intérieur de l'os? Et l'autre, c'est le clou qu'on vous a mis à l'intérieur quand le docteur vous a opéré. Oui. Nous avons aussi deux rapports médicaux. Expliquez-nous les rapports médicaux. Donc, ça, c'est une lettre demandant le rapport médical qu'ils m'ont donné. Et la balle est à l'intérieur de l'os depuis 30 ans. Aucun mouvement, j'étais sans repos. Donc, vous voulez dire que vous avez ce problème d'ulcère à la jambe depuis plus de 30 ans? Oui, oui et oui. Le rapport médical que nous voyons, le docteur a confirmé que cela était impossible pour la balle de sortir de votre jambe. Il a dit que c'était très impossible. Donc, qu'est-ce qui s'est passé quand vous venez à la synagogue Église de toutes les nations? Vous avez rencontré l'homme de Dieu, prophète Ibi Joshua. Quand je suis venu à la synagogue, j'ai eu l'opportunité de rencontrer prophète Ibi Joshua qui m'a délivré. Juste comme ça, deux fois. Sur mon corps, j'ai commencé à trembler et après, je me suis trouvé au sol. Quand je suis tombé, j'ai commencé à me rouler. La chose d'après, c'est que j'ai été aux toilettes et j'ai uriné pendant 10 minutes. Je me suis senti très léger. J'étais très lourd auparavant. Donc le 20, je suis rentré à la maison et quelque chose a commencé à me gratter. Et la balle est sortie par elle-même après 30 ans. Let's put our hands together for Jesus. Look at the place he came out. Regardez le lieu où la balle est sortie. Here and here. Sir, show us the spot where the bullet came out from. Look at it here. Look at the scratch. Voici l'endroit où la balle est sortie. Jesus Christ is the miracle worker and he changed not. He remained the same yesterday. Jésus-Christ demeure le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il l'a fait dans la vie de cet homme. Un témoignage vivant de ce que le nom de Jésus-Christ peut faire. Après qu'il ait reçu la prière, la balle que les médecins ont dit qu'il était impossible, cette balle de sortir, est sortie par elle-même. Applaudissons à la gloire de Jésus-Christ. Pouvez-vous faire cela auparavant? Non, 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 pas du tout. Comment est-ce que vous vous sentez maintenant? Aucune douleur. Et pour la gloire de Dieu, nous voudrions que vous puissiez bouger aux alentours et montrer au peuple de Dieu ce que Dieu a fait dans votre vie. À Dieu soit la gloire. Quel grand témoignage de la puissance et de la grandeur de Dieu. Monsieur Edika a souffert de l'ulcère à la jambe depuis plus de 30 ans, marchant avec une canne. Il a dit que sa douleur était tellement agonisante que souvent il devait pleurer. Maintenant, c'est une chose du passé. Regardez la joie du Seigneur sur le visage de Monsieur Edika alors qu'il marche librement pour la gloire de Dieu. Quand il a reçu la prière du prophète Joshua, il est rentré à la maison. La balle qui était dans ses os depuis 30 ans est sortie. Mon conseil pour le monde entier, c'est qu'il doit faire confiance à Dieu, qu'il y ait la pluie ou le soleil, Dieu est très grand. Monsieur Fabien Isaac Edika célèbre sa nouvelle vie de liberté. Il avait vécu dans les ténèbres depuis longtemps, maintenant dans la lumière, il l'apprécie. Alléluia.